ils trouvent des trucs pour distraire l'opinion. Tant que c'est le gros lobe en dégo, on va te faire bilambao. Comment il s'appelle? De recettes qui peut dire. C'est-à-dire, il y a, bon, il y a un secteur peut-être il y a un sapeur. Il y a un côté à Bilamba, il y a un sapeur. Mais puisqu'il n'a pas de discours, même un apport, alors, bon, il y a un sous-texte qui est bouffant. Un homme politique de son rang. Il y a eu un sapeur. Monsieur Martin Fayou, il a dit apéci, mais non, il y a eu un sapeur. C'est-à-dire, il y a eu un sapeur. 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 Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Non, il y a des réparateurs des femmes. Mais bon, tout en printemps, quand même, pour que les gens soient bien. Pour ceux qui ont dit, maman, les gens disent, moi, je suis en réparer. C'est discriminatoire. C'est... Alors, pendant qu'on applaudissait les succès de Wazalendo, les autres hommes ba Wazalendo qui infiltré, les hommes qui Kinshanga au Sepelaki, territoire de Kinshanga, les hommes récupéré en M23. Alors, mais cela, quand cela n'est tienne, de Wazalendo sont là, justement, ils se sont dit, ils vont faire en sorte pour récupérer tout ce qui nous appartient, tout ce qui est entre les mains de l'ennemi, bah où nous surtout balingi développement ya Congo T, bandeko balandi ya Congo uni, mbote na bino bisika nyo surtout bozwami. Alors na mokolo mwalelo bino surtout boyebi, hein. C'est vrai que processus électoral est un sujet d'actualité parce que on s'approche de la campagne électorale bientôt là et on s'approche également des élections au mois de décembre, donc le 20 décembre, donc en début sonyo surtout na maponami. Mais alors to lingi to kenya maponami ba na Congo ba congolais nyo surtout bazali ko se retrouver hein éparpillé na ba territoire nyo surtout biso tout to kende maponami. Nazana esengwa ko yamba monsieur Alain Madilou wazali moko ya UNC 4 ya UNC porte-parole mbote nayo e boye bolamu na chaîne na biso Congo yu. Mbote maman, mbote na ba landinyos ya Congo uni. Na pesi mbote na ba na mwamba o bazolanda Alain Madilou na bango. Sa ba benga nga ya biso yeyo. Na pesi wango mbote pas bazali. Ba na mwamba epapia a travers le monde. Na pesi makanisi na nga mingi na bande kwa Nord Kivu. O bakolanda biso sikoyo. Soutien makasi na ba congolais ou bazozanda kosala article 63 na article 64 ya constitution na biso et toza sima na bango to ba eloko moko mupaya tay pa na bino sali 20 ans a ozonga pa na bango. Alors monsieur Madilou, bonne santé à parti politique UNC, ça va? Ouais, UNC, ça va. Vous avez compris que sur le terrain, il n'y a que nous. Nous sommes sur le terrain, il y a de cela 2 ans. On était en train de redynamiser le parti, faire en sorte que le parti retrouve son ancrage d'avant. Et on a prouvé à la face du monde que le président national étant empêché, qui est en prison, on a changé la définition de la politique parce que la politique était perçue comme étant un truc de, comment on appelle ça, d'intérêt. Mais nous, on a pu montrer à la face du monde que la politique n'est pas rémunératrice, mais elle est compensatoire. C'est-à-dire, la lutte politique donne une certaine dignité à l'homme. Donc, ancrage politique, n'est plus en équité, parce que Bakanga qui vit à l'intérieur. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que nous avons voulu maintenir et accroître cet ancrage. C'est-à-dire, les loyaux, dans la partie Nios, où ils allaient que le président, Batouba Kenda Balongwa, nous nous sommes restés soudés, unis, pour montrer à la face du monde que politique, ils avaient intérêt, ils avaient Bolingo. Il y a idéologie, il y a détermination à Vino, et Bolingo, il y a une vision à Mboka.
Mais on aurait appris, hein, j'ai bien utilisé, hein, on aurait appris que Vital Kamerhe est la présidente. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Il se ferait peut-être que Vital Kamerhe est à Tika pour soutenir le président de la République. Bon, vous savez, les gens se sont précipités pour soutenir le chef de l'État. Mais nous, l'UNC, nous ne prenons pas les choses à la va-vite. Vous avez compris que nous avons pris tout notre temps. Nous avons dit tant d'abus pour nous mûrir des décisions. Tout ça, il y a le congrès, parce que nous avons communiqué. Nous, c'était vraiment un mini-congrès où il fallait consulter les cadres et militants. Il fallait qu'on ait un bureau de la direction politique nationale pour décider sur comment Tokozoa, tangente Nini Tokozoa. Et dans ma résolution, nous avons défini ça qu'il faut tout soutenir le président Félix Tshisekedi. Donc, ce n'est pas une décision où Tokozoa l'a mis en temps, on l'a mis tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à ce que les gens disent. Hein, on a mis un téléphone, le roi téléphone est à la portée de tout le monde. Et puis voilà, donc nous nous sommes déterminés définitivement à la carte de décision aujourd'hui pour que tu portes choix Nabisso et puis te faire élire président de la République en pose un deuxième mandat. Nous avons même laissé mon royaume à Moutou à UNC parce que question mon éthique à tellement à Moutou, elle n'aura toujours notre nom à UNC. Mais alors, accord et à Genève, voilà, vous voyez comment on a maïka. Vous savez, madame, la politique est évolutive, hein? La politique n'est pas statique. Faut pas, enfin, il faudrait faire comprendre aux gens la passion c'est quoi et la vocation c'est quoi. C'est la passion, ils ont bateau, bazaraming, ils n'ont pas d'intérêt personnel. Vocation, c'est le coup fouet salama. C'est-à-dire, c'est naturel, il y a du sort. Parce que dans la vie, il y a le choix et le sort. Dites, yozabo et madame, excusez-moi, si vous m'avez dit qu'il y a un Congo uni, maramozo, tambola, souté, tu as le choix à faire. Mais dans la famille, si vous avez un vous comprenez? C'est-à-dire, ça c'est la vie. Maintenant, la politique n'est pas statique. Quand la politique évolue, nous avons l'impression que le pouvoir est aux unes en 2018 pour te protéger, parce que c'est un ticket. Ce soir-là, il y a 10 ans et les gens oublient. Le ticket cash était un ticket de 10 ans. C'était un ticket de 10 ans où il fallait le premier aya à ticket là, le second. Mais toutefois, dans 4, il y a 10 ans là, l'élan que prennent les choses, ils en ont bien. Donc, et vous avez l'égoïsme, pas égoïsme, puisqu'ils ont ticket la bise, on peut laisser le président de la République à continuer. Et puis, comme toute la situation politique n'est pas révolutive, je pense que le choix a été fait sous une discussion, un débat houleux et dans une résolution en examen avant de venir. Mais est-ce que Vital Kamerhe a le profil de président ou il a le profil d'être simplement Jean-Baptiste ou femme Memarara Messi Nakatia? Non, mais je veux t'informer que le président Macron était ministre de l'économie. On est présidentiable, on l'est, on demeure. Vraiment. Les positions ne changent pas les destinées des gens. Parce que Naruta Lamine, c'est toujours lui qui joue la carte. Hein, pour, mais c'est ça le problème. Pour beaucoup de choses, mais c'est comme si lui-même n'ose pas. Non, mais attendez, en 2011, il a été troisième de cette République. Il a cet ancrage jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, les positions, ils avaient été là au moment, aux ans à l'arrêté. Il ne faut pas moi, mon gars, au salon, à nous voir, nous en piaka. Il faut respecter ce qui est maman. Les moutons, il faut respecter la ronde. Et les lots, l'histoire nous renseigne que ma péripétie, sourire de mambo, quand la vie sur la mort, va voir les mêlés. Nous sommes là comme machine, moteur de recherche, tout le monde a mis sur Google. Et c'est l'honneur à Vital Kamerhe, l'excellence fait. Effectivement, c'est un homme que nous respectons beaucoup, mais le VPM à Kotaki, Banda Koti ministère de l'économie, on sent toujours qu'à Prometa qui paye, nous sommes au président, nous sommes quand même, monsieur Vital Kamerhe, à proposa qui, à proposa qui quand même, oui, justement. Mais ton moni en moté, ton moni en moté sur le terrain. On aurait appris. C'est la faute.
Moi, je veux, ne vous en faites pas, je ferai en sorte de faire évoluer les choses. Bon, puis c'est plus que ces informations. Je dis que c'est faux, cette information-là. Mais, vous savez, lorsqu'on ne produit pas, c'est un économiste. Lorsque le pays ne produit pas, on ne peut pas s'illusionner. On dit, bon, on quitte ça, dollar, un dollar ou 1000 francs. Nous devons produire. Déjà, pour le dollar, il faut comprendre qu'il y a des mécanismes. Il y a la réserve d'échange, il y a ce qu'on produit, qu'on vend à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vend, nous vendons à l'extérieur? Rien du tout. Est-ce qu'on produit quoi à l'intérieur? Pratiquement rien. C'est-à-dire, il y a un moment où ça dit, un mécanisme, toujours ça, si vous avez un mécanisme, il y a à long terme pour trouver des solutions. Dans le cas où on a un charlatan, on a un tableau. Parce que, tu vas voir un bon mot, un petit changeur dans le coin. Pour que le dollar est quitté, un tableau. Seulement un tableau. Mais un trésor, qu'est-ce que vous souffrez? Et ça, les communs des mortels ne connaissent pas. Maintenant, ici, il est question de ce qui m'a dit et qui t'a payé, ma trésor, qu'est-ce que souffert? Vous voyez, nous sommes plus dépendants de dollar parce que bateau bayaka, na bino au Liban, na soumis peut-être na Europe, na États-Unis, comme ça. À un côté, il faut le cas dollar. Donc, dollar, et comira. Ce comira et comira, cher. Comprenez? Et il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a également des Congolais. Maintenant, le bas, on est mais il faut le bas, on capte. Il y a des Congolais qui sont rentrés dans la machine à duplication franco-congolais. Ceux qui n'ont pas ça pouvoir chantage, ça anime, va multiplier franco-congolais, va éjecter mon marché. Automatiquement, franco-congolais crée flux comme le pays. Dollar est comme le bunga, et ça lui dépréciation en monnaie. Vous comprenez? Oui, mais ceux qui boyé bibatouana. Mais pourquoi poursuit tes alités? Ne vous en faites pas. C'est-à-dire que ça n'a pas réseau. Il faut vous démanteler. Il y a un moment où il y a le bamote parce que le service est saisi pour que le cas va démanteler par réseau. Il y a tellement ma casse que, par exemple, ça l'a joué mon côté. Mais il faut quand même que les Congolais sachent qu'il y a une volonté ferme. Il y a un pour stabiliser mon avis. Et pour nous stabiliser mon avis, il faut tout le cas dans ma douce et belle. Et on a le droit toujours que. So putin zungu ya otombo kama na natamwa kala pa mama baza uba mazungu na mate mbele kola sabi excellent vital kamere akuta nzungu ya otombo ka auzo atanya kwa bamba mbo bacha na moto me kala mingi te kala mingi te zosi regime na bango pe liko lezi koki na wapeko lika van de sombre les affaires de décembre na précipitation te yon mouna atobe na la continuité de l'état la continuité de l'état veut dire que yoko salo komi a o telemi ou a koya ya continue. Mais si vous posez ma base, il y a bien. Au moins, il y a continuer, vous en a facilité aussi ça. Mon salaire est bien. Alors voilà, tout côté dans le processus électoral, quand même, pendant le bail, il y a 24 candidats au Basali validés par la CENI. Mais tout cas, le cours constitutionnel est attablé sur ma candidat. Voilà. Et toujours, à peu côté, de Kosef Kikuni, aligné invalidation à président Félix Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas. Déjà, pour nous, l'opposition, ils ne savent pas trouver le candidat commun. Mais. La question que je pose, est-ce que vous allez par rapport à Yandeko Vital Kamerhe qui aujourd'hui a été sali quand même, il faut le dire, par le régime actuel, c'est-à-dire le cahier de paix et tout ça, Nama Kamboileka qui a 100 jours, mais est-ce que de lui-même, il ne pense pas aller soutenir un autre candidat que Félix Antoine Tshisekedi? Il est vrai qu'il a compris la vie de Moïse, mais il ne trouve pas que parmi d'autres candidats là, il y a opposition, quelqu'un peut battre aussi Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà, madame, il faudrait comprendre que l'homme se mesure par les obstacles. Quand tu franchis la ligne des obstacles, c'est
alors qu'on va t'appeler homme. Et moi, j'ai comme l'impression que dans notre pays, il n'y a qu'un seul homme d'État, c'est Vital Kamerhe. Un seul homme de l'État. D'État. Donc c'est Vital Kamerhe. Ouais. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui agit par émotion. Un homme d'État, c'est celui qui sait voir les intérêts du peuple, les intérêts de tout le monde. Ce n'est pas parce que je quitte pour les intérêts, mes intérêts, non. D'abord, politiser, nous sommes tous un homme d'État qui est mort. Ouais. Vital Kamerhe. Kayemo. Mais nous l'avons vu à l'épreuve, maman. C'est-à-dire, nous l'avons vu au procès. Tout ce que vous dites là, quand vous vous étonnez, c'est parce que vous avez voulu qu'il puisse faire agir son côté animal. Que tu vas saler vraiment. Mais en homme d'État, il dit non, je ne peux pas agir par émotion. Tu es dans un cas d'accord ou va continuer à cause. C'est pourquoi je vous dis, madame, les accords se font et se défendent. On n'est pas prisonnier d'aucun accord. Mais quand on est un homme d'État, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des décisions pour soi-même. Il faut prendre des décisions pour la majorité. Mais c'est quoi d'abord l'homme d'État? Un homme d'État, c'est celui qui sait défendre les intérêts de tout le monde. Ne pas brûler la maison parce que moi, j'ai été victime de quoi que ce soit. Face au procès 100 jours, vous avez vu, il a dit, je ne viendrai pas ici exposer le chef de l'État parce que c'était l'intention. Et il dit, c'est pas moi qu'on vise, c'est le chef de l'État qu'on est en train de viser. C'est-à-dire, il faudrait comprendre que l'homme d'État, c'est celui qui sait garder la nation intacte sans les diviser. Vous avez, donc, il y a un président Félix Tshisekedi, il y a un président Félix Antoine Tshisekedi, donc il y a un homme d'État, président Félix Tshisekedi, un homme d'État. Moi, je parle de l'honorable Vital Kamerhe qui a été mis devant l'épreuve. Vital Kamerhe Azala devant un procès où il a pu démontrer que c'est un homme d'État. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'équipe Bango. Vous comprendrez que, d'abord, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas de discours là-bas. Aujourd'hui, où le pays est en train de prendre un bon élan, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, vous comprendrez que Bango Baza en position déphasée. Il trouve des trucs pour distraire l'opinion. Tandis que c'est le cas de Bango Baza Bilambao. Comment il s'appelle? Ndego Set Kikuni. C'est-à-dire, il y a un secteur, peut-être il y a un sapeur. Mais puisqu'il n'a pas de discours, même un apport, mais il va dans une histoire où distraction. Vous comprenez? Ici, nous voulons les élections. Nous allons aux élections. Moi, je suis candidat député national au Moamba. Au Congo, nous avons toujours vécu deux classes, la classe des riches et la classe des pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. Est-ce que l'opposition n'a même pas cette recette-là proposée à la population? Parce que tu as envie à toi qui est poto. Mais na poto, il y a des gens qui ont accès à la classe moyenne. Ou, ils ont accès à crédit, ils ont accès à soins de santé et consorts. Mais vous avez une gratuité de l'accouchement, gratuité de l'enseignement. Nous sommes en train d'aller pour créer la classe moyenne. Et au tali niveau, il y a DG, il y a Biloko sous-traitance. Mais le sous-traitant ici au Congo, c'est-à-dire que sous-traitant, c'est un petit boy. Candidat à l'opposition, nous avons mon côté qui proposé tout comme même un développement. Parce qu'il ne faut pas oublier le développement. Le développement part de la production à la demande. Et pour quitter la production, pour aller à la demande, il faudrait qu'il y ait des bonnes routes. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nathalie Boué, jour en allé, qui n'a pas dit, ah, bah, il montait, maman, ben,
Comment on va dire le roi Belengue ça au Bagikuiti? Bah, na intérieur à Mboka, au tali des routes à terre battue. Au tali bien vu. Ah, bah il va monter mon ami. Mais au bout ça n'a été fallu la route au sol à tourner na. À tali qui babi babi terbani les projets on va ça 145 territoires et tout ça il va péter. Non. Ils ont marché t'es, ils ont même pas en marche. Vite bien, vite bien. Nanine. Vite bien. Il est bien dans le milieu, le bien le monde. Un homme politique de son rang. Il est très bien dans le sujet. Monsieur Martin Fayou, là, lui, a pessi, mais non, il est très bien. Ça dit, il est très bien. 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 Donc, depuis le début, il y a des gens qui ont répété qu'il y a un encragement politique. Non, il y a Silika Giti. Il est temps de se faire. Mais est-ce que lui, qui est à côté, il y a des idées moumengi? Bon, Didier Moumengi, c'est quand même une tête que je peux reconnaître. Donc, Boban a pété Vitel Kamer également, c'est une tête, ce côté de M. Félix. Il y a aussi comme dans l'Oba. Mais M. Scope, Didier Moumengi, il y a aussi dans l'Oba, au niveau Katanaï. Didier Moumengi, c'est une tête. Mais ce genre de tête, au moins, que Kamer a dirigé. Alors, Tomoni Lelo Azali. Azali a simi campagne, il y a M. Denis Mukwege qui a aussi ma campagne. Il y a Azali Bongo Didier Moumengi. Didier Moumengi, c'est une tête connue aussi. Tu es bien, très bien. Mais de l'autre côté, tout le monde peut me dire que Vitel Kamer est. Mais tu es bien que qui Vitel Kamer n'est pas acquis proche, trop proche de Denis Mukwege. Ça la paix que Denis Mukwege n'est pas gobé, n'a pas Vitel Kamer à travailler. Ce n'est pas possible ça. Bon. Je ne sais pas, nous, c'est la conviction. La politique, quand je dis que la politique n'est pas rémunératrice, la politique, elle est compensatoire. Il faut vouloir que la politique, au sala, mais si on a la politique qui a transhumance, la politique qui a intérêt personnel, et si ça a beaucoup moins de crédibilité. Bon, Vitel Kamer, tu as un combo qui n'est pas à Salahini. Pour ton dossier, ça change le bana à Congo, à Kinshasa, tout le monde. Non, et tu as un peu de temps à Kina. Et tu as un bateau. Dans le Congo, tu as un problème à compréhension. Tu as une classe bien, mais tu as une fierté à l'artiste. On a un président de l'association Banabartiste Marassi. La loi au pénal est de stricte interprétation. La loi au pénal est une mathématique. 1 plus 1 égale 2. Ce jour, il y a un Djamal. On va faire quoi? Non, c'était un détournement intellectuel. Ah bon? Un détournement intellectuel? Oui. Mais il y a un détournement intellectuel. Or, ça n'existe pas en droit. D'accord. Mais il y a une autre question que j'aimerais très bien savoir par rapport à la déclaration de Kosset Kikuni, quand même, tout est au Leblanc. Est-ce que comment est-ce que Moutou a recueilli un dossier, authenticité à dossier Moukou? Et quotidien à CENI. Pour dire que c'est la même invalidation à dossier à président Félix Antoine Tshisekedi. Bon. Pour le bic, diplôme n'a pas été faux, diplôme n'a pas été vrai. Bon, déjà, partant de l'article 25 de la loi électorale, ils ont péqué sa moto à aligner le candidat député, à contester tout le cas, pour l'invalidation. Il y a tout basé dans le regroupement, ça c'est la loi. Mais il faut dire que l'authenticité ou un document, ou un côté qui est enseigné, ça c'est ni moutaïbi. Donc il faut que nous nous retournions. Il y a un autre qui est. Et ça, c'est du sensationnel. Tu vois, il y a des gens qui cherchent du sensationnel. Bah, créer le roman pour créer buzz. Mais au fond, tu vas remarquer qu'ils ont un bon côté. Il y a des choses où ils ont sérieuses. Logiquement, il faut que tu aies tenté chance. Pourquoi tu as tenté chance? Il y a tenté chance.
Ça, c'est le mot. Il faut la former pour qu'elle n'ait pas parlé. Mais en 2018, vous avez été candidat pour vous en attendre. Vous avez candidat, vous êtes 1000 fois candidat. Est-ce que tu es préparé pour être candidat? C'est-à-dire, au moins, on a le bas. Soit Vanny Passaza, le bas. Ah, Madilo a raison. Il y a domaine à Bilamba, il faut apporter quelque chose. Bah, sa peur, comment les canaliser? Bah, usine, il y a une somme à Bilamba en Turquie, bah, ça la paye usine, mon corps. Si vous avez 30 points aux candidats présents de la République, vous avez une usine qui coopère, une usine qui est la succursale dans le Congo. Il n'a jamais fait. Il n'est là que pour critiquer, pour créer des buzz. Or, logiquement, tant que vous avez un candidat président de la République, il faut avoir une vision. Vous avez une vision. Vous avez une vision. Vous avez 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars en 5 ans. Vous avez une vision. Vous avez une vision. Je vois comment il va comment il a bossé là. Asa candidat. Oui, candidat président. Oh. Bon, au bossé là, comment il est né. Baba Mba il va là. Délice ça. Donc il vient. Nathalie est une amie. En fait, il y a trop de quadro. Mais oui, il y a petit projet de société. Il y a qui est en papa maman. Il y a trop de quadro dans cette histoire. Les quadro, quoi d'autre gagne. L'imbis en a toutes nos questions. Tu n'as répondu à tes poyons ou tu réponds à tes réponses. Quoi doit être à mon pépé, maman? D'abord, on va être à mon pépé. Donc, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as vendeur de vent. Un homme assis. Un homme qui a un bagage intellectuel élevé. Avoir un bagage intellectuel veut dire quoi? Parler français. Tiens. Parler français, résoudre les problèmes aussi. Quand tu parles du médecin, médecin à Zorabadon, et hôpital, on a un héritage à papa Nayatikelaï. Et ça, hôpital à Lemera, et comme hôpital de Panzi, pas Zorabadon. D'ailleurs, Badon a une redistribution dans nos légalités, et ça a logique. Parce que le bateau est à Zorabambon, il y a un bénéficiaire, via Ram, dans son Mabandak, il y a un pays qui va parler. Mais il a quand même à équiper l'hôpital. Voilà. Ça veut dire que quand il y a un non, problème à l'hôpital. Non, dans l'hôpital, maintenant on a plus de 20 ans. Il y a un centre psychiatrique. Ce qui est bien, c'est qu'on a une expression de réparateur des femmes. Mais bon, tout en empruntant, on a quand même pour qu'il y ait un peu de temps. Pour ceux qui ont dit, maman, on a dit, moi, si on a réparé, c'est discriminatoire, c'est péjoratif. On a dit, moi, si on a réparateur, non. Vous comprenez? Mais ce que nous comprenons que bato na ba vanda ka wana ba vanda ka don image bisombo kana bisuza libanda na bato ba pesa ke ba don ezake les femmes sont violées tous les jours en République démocratique du Congo na landa ki dénonciation mo ba femme sud qui vous voyez to koma ko bima neti ba femme violée to atara ba mabala ba mibali ba boya ka biso parce que bi ba koma ko bima to baza ba femme violée hein? Ça veut dire que au nyoso tout mais c'est l'image qu'on a donnée à la femme du sud qui vous c'est une femme violée or na sud qui vous guérit za la rasouté vous comprenez pour 26 ba tout pendant 20 ans hôpital moko donc to le ba deni moko ga détruit image ya ba femme on a violée mais bien sûr. Ma femme, il y a une qui vous passe les revendications. Mais en même temps, applaudit Sarah Epe dans la salle. Non, il applaudit Sarah Epe. Mais même femme, moi. Non, mais il y a un lobby à comment sur place pour comprendre. Moi, j'étais sur place, on a vu ma réalité à terrain. Quand tu parles d'une femme violée, chirurgien, ce qui mentionne, a violé des ordres, à saler Moussala, à traiter, à soigner. Faisons que c'est la réintégration, non réinsérer dans la société. Azong dans la société, Azong en mode normal. Mais comment les retenir pendant 20 ans? Et comme ils font des commerces. Donc chaque mois, chaque année, chaque jour, il y a un donc pour pas donner, il faut au moins avoir Zarawana en permanence. Et on a tout la question, est-ce que c'est comme un centre psychiatrique? C'est une pépé au bon moment, au bon moment. Tout, il y a un hôpital qui va soigner mon Azong dans la société, à au moins vivre une vie normale. C'est ça la question. Et alors, quand on est appelé à diriger une république, vous devez avoir des apports, mais cause noble, on est comme m'appelle Denis Mukwege Lula comme président de la République parce que déjà cause noble, il n'est pas le seul, hein, ça il faut le dire. Nambo Kanabiso, il y a des gens nobles. Par exemple, vient Nabiso Muyembe. Et c'est lui que Muyembe a créé Kisi pour Nabola. Tout bête à l'histoire, on a été.
Seulement parce que Tommy Tuna, est-ce que pour avoir soutien à Bandegoné, à Bandundute, il y a un docteur Lucy, où il y a même un médecin candidat, Denis Mukwege. Docteur Lucy, il y a un goma. Il y a soigné moi aussi, une semaine, deux semaines, moi, qui Cécile a soigné, a zongi si yo, na vie normale. Abimsaka, image, moi, c'est un homme qui vous tenait, c'est une femme qui en viole chaque jour. Nous déplorons les viols. To boya ka ba pratique wana. Mais to linga répété que mboka na biso libanda ibana tike. Image a basse sud qui vous a ka basse ba viola ka po mko ya repara. Mais déjà bima lango, hein? Mais déjà yebani nango déjà pe sango ekenda bongo lobinge salema bongo lelo deni mko ke ba ebiye na. Mais yango na lobinge comme fond de commerce parce que vieux temps avant ça ba maman na na ba hôpital wana eza po ba mona gazala kana ba femme violée. Or, Lélo, dans le sud qui vous guérit, elle a raté. Ma viol a bondé. Pour guérir dans le nord qui vous. Ma cas, ma viol, on peut supposer que ça m'a mis dans le nord qui vous. Mais dans le sud qui vous guérit, elle a raté. Ah, mais dossier, dossier, en tout cas, il faut tout fondre, on voit bien. Bah, yo, mais toi, la maman, il oui, y a le nord qui vous ne pas que dans le sud qui vous. Pendant que le docteur Lucy n'a pas mis ça, même vous savez. Question mark. Il faut retourner à la candidat, on voit bien. Est-ce que vous avez un bon ami ou tu as? Ou mes aura pas d'honte. Ah bah donc, et on IGF Fatou na peini ni pesa ka combien. Donc IGF IGF a roulé dans la paix. Oui mais bon azoka. Bon azoka kota na code Swift et elle a na code Swift ya mboka. OK. Ça dit net biso va rappel 243. Donc bon on va pesa ka badon. Et elle a na ba code Swift. Alors IGF a na droit ya ozalisu ko tcha ko ba bon. Pays ko pays tel pesa ka combien. Et c'est redistribution na ngo pa ba bakawana. Et ça normal. C'est normal, tant mieux. Mais il y a des gens qui sont bon. Il y a des gens qui ont un hectare et un million de dollars. Mais si on a 14 palais au bord du lac, ça devient compliqué. Ah, la 14? Non, nous avons des gens qui sont bêtes. Donc, nous avons affirmé. Nous avons des gens qui sont bêtes. Et on a des gens qui sont bêtes. Parlons de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Déjà, tout le monde est au Yo, que le rebelle M23 contrôle Kinyandoi jusqu'à Mbanda, Mbanda plutôt. Alors, et puis en même temps, Kinshang a déjà été dans ma boucle, il y a un rebelle M23 ou va contrôler. Il a vraiment siégé déjà. Mais tout le monde a dit qu'il y a reculé, ils avancent toujours. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix récupérer les territoires. Il y a la République démocratique du Congo. Mais la question que l'on se pose, la question que tous les Congolais se posent, mais pourquoi l'armée ne va pas récupérer ou assiéger ou bien qu'on vende ça place Nabango et comment place Nabango et comment place Nabango et récupérer armée, pourquoi qu'on ne peut pas remplacer? Non, au moins. Il y a bien qu'il va cesser les feux. L'armée a observé cesser les feux. Mais il faut le dire, maman. Le complot sur notre pays, pour notre pays, est très grand. C'est-à-dire, complaisant mal. Il faut comprendre que seule solution est un peuple. Et nous attendons comme une est, nous devons comprendre que ce qui est le cannabis, la balkanisation est si baratée, c'est parce que la population à est a déterminé à protéger le cannabis. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que les Ouazalendo vont libérer toute la République. Mais bon, on peut pas comme étant dans niveau bah M23, bah comme étant dans niveau récupérer Kinshang Andeni, hein. Non, mais pour mes arrangements, il y a eu des informations comme quoi il fallait pas infiltrer bah Ouazalendo. Mais dans le bar alors, moi, on peut attaquer par la minute 100 ans. Raison à la chiba. Tu veux avoir bandeke. Donc, bah infiltrer qui bah Ouazalendo. Il y a eu des informations comme ça que bah infiltrer parce que. Les voisins sont au bang. Il y a une détermination à l'Est. Est-ce que vous êtes déterminé à côté de vous? Vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays. Mais bon, il y a un respect à votre corps, tout ça. Il y a un moment où vous faites des séries observées. Mais les peuples ne se prennent en charge. Les lots qui peuplent à tout à l'heure. Et puis, dans les voisins, c'est des gens qui étaient démobilisés. Ils sont des soldats. Oh, on a eu mon escroc comme une tactique de guerre. Mais c'était des militaires. Ils ont la vie normale. Tout le temps, on a eu beaucoup de danger. Ce n'est pas de jeunes civils, bah, Ouazalendo. Oui, ils sont pas civils. Il y a des gens qui sont là, judo. Dans mon équipe, on a eu une compétition.
Moutonga na préparé qui a zo bunda bien. Tena ko zonga pe rapide na semo entraînement une semaine. Na sali bagarre. Ba ngwa sali ba entraînement wapi tout ce que l'homme n'a pas passé. Et c'est tout ça qui y a dans le but. C'est-à-dire au gros zo pe bi bon, a mbo rezo kende fo sauver le tout pour le tout. Vous voyez. Oui, mais j'aimerais quand même qu'on, avant que, pendant que nous sommes en train de parler, bah, diffuser l'image de Motomoni renfort Mokoye côté à Bandekwa M23. Bandekwa Wouti, na Rwanda, bah, pour renforcer l'équipe à M23. Donc ça veut dire que tu éviter ce qui va se passer. Bon, ça, on a vraiment l'autre, maman. On a tout on les a mis en scène. Maman, un peuple déterminé ne recule devant rien. Au moins, Biso a Namboko. Les Rwandais étaient arrivés. Bon, je parle des Rwandais. Ou basarana intention parce que tout pas dans la Rwandais parce que tout botana bango mais je parle des Rwandais avec mauvaise intention pour notre pays bako marati qui ça ça sur une population est déterminée et dans les logos ça va papa gimbango le baga qui n'a beaucoup mais toujours il va payer l'idée mon menga joueur un rôle moko vraiment important hein, pendant Nini entrée à Fidel ou à la dernière côte à Rapon Barwande, c'est un rêve qui noie Batelema Babandiko Tumba Barwande. Je ne sais pas si encore vous vous rappelez. On ne sait pas, peut-être que Didier Moumenga pourrait jouer un rôle moins important pour la désignation de Denis Mukwege. Ça, il faut quand même le dire. A jouer un rôle important, ça a rien. On se rappeler dans mon côté. Donc, oui, mais il y a un taïba qui place Barwande, il y a côté là. Je crois que c'est une histoire vraiment. Tu es au fond d'avier. Tu es au fond d'avier, tu es dans l'obavier. Tu es au fond d'avier. Ça veut dire, moi, j'admire cet homme. Ça, il faut quand même les dire. Aux autres, il vient tout mis à battre. T'es. Oh. Bah, je suis congolais, je suis salaire à Marambo. Non, il y a un réveillé. Je suis congolais, je suis salaire à Marambo. Non, vient à tout mis à battre. T'es. Je suis congolais, je suis salaire à Marambo. Donc, ça veut dire qu'il peut jouer un grand rôle. Ça, c'est une grande révélation. Hein? Il peut jouer un grand rôle. Hein? Non, mais ça, c'est une grande révélation. Mais il peut jouer un grand rôle. Non, mais révélation, il y a. Et ça, c'est que ou bah, c'est la il peut jouer un grand rôle. Et via Tumbi, ça va être normal. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas le déformer, Malobalanga. Il peut jouer un grand rôle. Mais est-ce que. Oui, mais justement, Tozo le Belango, il peut jouer un grand rôle. Là, Denis Mokoda Kogo, les gars, l'AEP. Mais est-ce que. Ah, les gars, l'AEP. Est-ce que jouer cette fois-ci rôle en Ligue, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Question mark. Non, mais vous avez appris que va choisir directeur à campagne. À saluer Vélan Jacques Chaban. C'est-à-dire, tous les cas, parce que le peuple a confiance en Bissou. Facha, ma présidence a deuxième mandat parce qu'on a confiance en la population. Les loyaux, bah, qui m'ont dit, ça sort de Banzela, bah, tout va comprendre que, est-ce que Moussa les salamaka? Mais les loyaux, bah, pour comprendre que, ce que tu es volonté, Congo, Moussa les salam. Donc, déjà, Bissot Tolobagi, que Fatia Zomé Mamboka vers le vert pâturage. Toi, accompagner la mission. C'est ce que nous sommes déterminés à faire. Et le 20 décembre, après résultat, au Benanobsan, M. Madilou, tu avais raison. Fatia a battu tout le monde. Élection aux Zala. Au moment où on a déjà trouvé ma machine à voter et pas ma candidat. Mais il faut que tu aies la machine à bien. La machine à Caladam, c'est pas on en va parler. On a dit que tu as la machine à bon, on en va parler. Tu es belle, tu as chantage dans mon moment. Tu as une image à réseaux sociaux. Tu ne pas la machine à Caladam, tu as une pousse, tu as filmé. La machine est en scène. La machine, peut-être, bon, moi, je suis en train la machine qui t'a quitté à l'intérieur. Avec comment passe mon bout. Bah vous avez filmé, bah quelle est notre histoire. Tout le monde a battu, peut-être battu mon bassinga. Mais au moins il y a une machine à pamba. Dans l'opposition, ils ont créé les binous bas dossiers. Parce que bas on a discours, t'es maman. Ils n'ont aucun discours. Ils n'ont aucun discours. Moko parmi bas moi zara gouverneur na moko. Nani. Ah zara pembe boy. Nani. Moko parmi bas moi. Azara gouverneur, Asala a créé crise à Masangu na Nagatan. Otomona président Abino a kenda ti baké Namibie hein. Sali, omoni tanga créé crise. Pour Masangu kaka. Mais Zambie a logo pour la première fois na Monsieur Vitel Kamere, un homme de son rang, a eu 4 délégations combien de personnes. Ah, vous se rappelez encore. Yo za sa ba mulongo to na. Délégation combien de personnes baké ka pona luka Masangu. Yo na ka baran. Hein? Économiste. Nous avons le babou. C'est-à-dire,
Moto a supposé à la candidat président de la République a créé crise. C'est-à-dire que la marchandise a bombé en propriété maintenant la cité, a créé tollé. Tant que Baké Zambi, Zambi a dit que c'est pour la première fois, l'État congolais est signé à Bissau. Parce qu'on ne produisait pas. Pendant que tu as signé, dans la solution, il y a des solutions palliatives. Il y a des solutions immédiates, il y a des solutions à court terme, il y a des solutions à long terme. C'est-à-dire, ceux qui ont trouvé solution dans l'immédiat, il faut te recourir à Baninga. Ça, c'est logique. Ceux qui ont une solution à long terme, il faut te l'on. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont les sous-moutés qu'un État qui ne s'est pas préparé, parce que nous avons un État qui ne s'est pas préparé à la production, a coûté une éventualité, a créé une crise dans le coup. Il bon, faut l'État contourner, parce que c'est l'État protégeant la population. L'État a le droit à faire un partenariat pour trouver des solutions où ils ont. Pendant ce temps, on se prépare et on a pour que tu produises beaucoup. Et je pense que parce qu'on s'est préparé maintenant. Vous comprenez? Donc, il y a des gens de mauvaise foi dans les candidats. Il y a un moment où il y a le candidat Moussoussou, tout ça a sentimenté. C'est notre pays. Au moins, il y a le moment où il y a le Congo. C'est-à-dire, bateau peut baser à l'étranger. Donc, Bissau, tout a l'intérêt à Mboka na Bissau. Intérêt à Mboka na Bissau, et ça, que Félix Tshisekedi, au Bissau, c'est impossible. Il y a encore comment possible. Que nous sommes là, tout ce qui est mon athée, tout ce qui est rêvé, tout ce qui est comme route. Mais les gens peuvent passer dans la voiture. Au Katisilemba, au Kumbamo Banda. Il y a c'est-à-dire, aujourd'hui, il faut comprendre que avec un peu de volonté, on peut emmener notre pays dans un niveau où il y a bah, tu peux pas vraiment respecter Bissau. Tu as comme quoi appliquer la logique au Tobaka, gagnant. Mais avant, c'était quoi? Mais ce qui est politique, c'est la Bissau, c'est imposer Bissau, c'est au limité peuple na foufou. C'est-à-dire, peuple, en tout cas, il faut aller à Nobana, Tongoti, soir à Lukimbo, à Damé. Allez bien à la lutte. Mais ça aussi, peuple, il faut fouiller à 11h, pas revendiquer à 13h. Alors, on a ma case. Vous comprenez? On nous a mis à genoux. Et l'élo, il y a tout qui n'a niveau à que peuple à cause de vous. Vous fouiller à 11h, à 13h à revendiquer que salaire fait vanda, bouena bou. Mais tu as dit que c'est un niveau que peuple fait le canon, vous vous dites 17h. Tant que l'homme, il y a le mieux, il y a le mieux, il tu vois, tous les langues, il y a le mieux, il y a le deuxième mandat. Oh, mais il faut voir. C'est déjà votre mot de la fin. Il faut voir que la population aujourd'hui voit. Il y a une lueur d'espoir, maman. Quand tu écoutes une zone au Togo, quand tu bamba, tu peux s'appuyer sur le temps. Pour que la maman soit au bamba, on a matembele. Bambi matembele, ou tu es un moto, à toi, lamba. Le peuple a fait sa fatigue confiance. Le peuple a comprendre que. Moutounion soit l'ingaka place à Fanda. Place à Botama, place à Kolé. Même discours, on a eu deux pèses, mais de quoi y'en c'est. Place au moins Moutou. Boutimbora yaro poufa. Non, yo le bain nanga, et un mot de la fin nanga. Allez-y. Non, mais je te parle en tant que population. Oui. Je sais voir les impacts sur terrain. Que. N'a pas ce exemple, moi. C'est-à-dire, nous sommes tous au talobi. Ah! Est-ce que nous allons exister? Non, nous sommes allés. Mais aujourd'hui, il faut voir que l'espoir est allé. Peuple Otala, avec ça, on peut espérer. Balobara, l'espoir fait vivre. Avec Fatih, on peut espérer. Nous avons passé plus de 20 quelques heures. Nous avons passé à son âme. Nous avons passé sur la cantine publique, le service national des Zongi. Il y a mon loba. Nous avons tout naka. Est-ce que Mouza Koufaka na service national na ye? O fachinde eko la Mouza. Or logiquement, fallait moi na yende. Akanisake, ah, papa tira service national na continue. Ya boumian. Nan a zé héritier ya Mouze. Ya fachite.
Bon, fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Hein. Merci, Monsieur Alain Madilou. Merci hein, à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Mot de la fin, Monsieur Madilou Aoutcholoba. Mais un mot de la fin, il faut savoir que les accords ne vont pas nous permettre à se développer. Ça, il faut quand même que nous soyons congolais, tout le monde a plutôt des alliances. Hein? Je préfère qu'on fasse des alliances comme ces grands pays où il y a l'alliance Nabatou. Justement, pour Nakoloka, pays où est gagné, Bidopebo gagné. C'est comme ça que ça se passe. Les accords ont tué ces pays. Alors, arrêtons avec les accords. Likez, en tout cas, cette émission. Abonnez-vous massivement et laissez-nous votre commentaire. Au revoir.